Fox. Il se peut que pendant les phases d'attaque, on soit séparé, Fox soit séparé sur Coyote et Wolf pour venir en renfort sur leur point. Ok. Là, je prends le deuxième, moi. On est pas okay, la mule de Coyote est sur Victor 2. Oui, oui, oui. Ouais, ok, je monte avec toi. Okay, bon. Ok, il est dans le chat, il parle de Ok à gauche. Ok, tu me reçois ça. Victor 3. Victor 3, départ. Tout le monde au départ. Direction le point 20. En route. Bonne nuit sur vous. C'est de la vraie piste, celle-là. Oh, si tu roules dans les champs de pavots, ils vont pas être contents. Hein. Ok, Victor 1 et tout le convoi, allure modérée. Hein. Je sais qu'on est pressé, mais on va pas prendre de risque non plus à rouler comme des fous. Halte au convoi. Victor 1, il y a des coups de feu, c'est sur vous. Débarquement de Fox, de Coyote et de Wolf. Coyote, Wolf, débarquez. Fox, vous mettez les véhicules à l'abri à l'arrière. Vous reculez une fois que vous êtes sûr qu'il y a personne derrière. Derrière, Victor 2, je recule. Attention, Victor 2, je recule. Vas-y doucement. Hein. Attention Victor 2, je recule avec le Humvee. J'ai besoin d'informations, Coyote et Wolf. Arrête-toi, Victor 2. Coyote leader, on a le Victor 2 a RST. On est dans le ravin actuellement, on a recollé sur la route. J'en veux un avec une place devant. On a un homme. On a un homme au sol devant Victor 2, je répète. On a un homme au sol devant Victor 2. J'ai enlevé les pleins phares, mais si j'éteins, vous êtes dans le noir. Ivan, je suis avec toi. Je confie la attention, Pas. Attends, je vais derrière. Il va faire jour. Attention. C'est toi l'abri, Médic. Contact en face du Humvee. Ouais. J'ai besoin d'un médecin, je suis blessé. Deux hommes au sol. Je suis pas médecin, mais je vais t'aider quand même. Vas-y, j'ai rien du tout, j'arrive pas à accéder à mes trucs. Situation à l'avant. 3 décès à l'avant. Ok, on recule, à toutes les équipes, on recule. Reprenez les véhicules, on fait marche arrière de 50 mètres, 100 mètres. À l'arrière, je me suis décalé, il y a une place. C'est bon pour vous ? Vous êtes tous montés, c'est sécure ? Ouais. Attention Victor 2, je recule. Derrière, attention, je recule Victor 2. Hein. Victor 2, je suis en manœuvre, en train de reculer. Prévenez-moi si je roule sur quelqu'un. Victor 2. Victor 2 en recul, on a des tirs en face, hein, pour info. On riposte, qu'est-ce qui se passe derrière ? Victor 2, je fais demi-tour. Victor 2, bloquez votre véhicule en travers. On va prendre appui sur votre véhicule. Ouais, c'est pris. Alors, Victor 2, en travers. Allez, c'est bon. Les camions, vous faites demi-tour. Ouais, je suis un peu sous pression. Okay, back up.
sur les mecs devant. Allez, j'enclenche un marche. Ah putain, ça marche à rien. Attention. Ça peut parler sur la radio même. Je suis dans le camion, on est reculé jusqu'au premier village. Quelle est ta position? Toujours en stand-by. Ok, tu es à pied. Négatif, non, toujours dans le MV en stand-by. Ok, moi dessus. On monte. Descendez. Hop. Vous montez voir. Derrière. Vous avez plus de MV là où? Si, on a bien. On a le MV toujours. Toujours, ok. Et puis on monte avec le MV et puis au besoin. Allez, on y va là. Demandez dedans. Non, négatif, pas dans le camion, vous me suivez là. Vous me suivez, on y va. Vite 3. Bon, à tous, est-ce qu'il. Full ride, si je tombe, tu reprends le commandement s'il te plaît, comme Flou qui n'est pas là, mais. Ok, ça te va? T'as pas le choix. T'es pas trop mal là. Ok, tout le monde décroche, on fait demi. Il y a Fox qui demande à ce qu'on décroche, ouais. Ouais, j'ai entendu. Iron, tu montes de deux côtés, je monte de l'autre. Allez. Okay. C'est bon, on est dans la voiture derrière. On est là, c'est bon. Je suis victoire. Putain, je me souviens plus comment c'est pour aider là. Je n'ai pas de défaut de jouer sur console. Ça va revenir, hein. Je vais essayer toutes les manips à peu près, j'en trouve une qui va marcher. Je crois que je l'ai eu avec ma grenade, le mec là. Tout à l'heure. Tu l'as pas perdu, t'as pas été blessé par hasard, t'as pas été mis au sol. Non. Non. Non, mais je suis parti de la base avec, je l'avais. Ouais. Ouais, ça va être compliqué s'il y en a un qui a pas de carte et l'autre qui a pas de radio. Ah, l'équipe des bras cassés. Oh la vache. Voilà. Halt, messieurs. Ouais. Allez, vous débarquez. Fox, débarquez avec le reste de l'équipe Coyote. Même si vous voyez rien, si vous voyez un flash, vous tirez dessus. Yak. Je suis là. Bon, messieurs, vous allez vite, regardez vite sur la carte. Vous allez remonter sur l'objectif. Vous allez suivre la piste en terre. Et à un moment donné, la piste se sépare en deux. Il y en a une qui va vers les hauteurs de Zormandé, c'est-à-dire vers l'ouest de Zormandé, et l'autre qui continue le long de la rivière. Oui. C'est pris. D'accord, donc l'équipe Fox, vous allez vous positionner au carrefour. Vous allez attendre que l'équipe Coyote grimpe sur les hauteurs et vérifie qu'il n'y ait pas ce contact qui nous embête à ce paysan. Ok. Et ensuite, une fois que vous approchez Coyote, quand vous estimez, vous avez le droit de donner l'autorisation à Fox de pouvoir progresser vers le sud. Ouais, c'est cool. Attention, okay. Au sud se trouve Wolf, qui est situé au sud du village de Zormandé. Donc attention au tir. Hein. Ils ont traversé le petit pont en bois. En fait, les pointillés là, qui traversent la rivière, ils ont traversé, ils sont à peu près cette position. D'accord. Donc okay. Neutraliser ce paysan. Je suis pas sûr. On écoise Armandaï, Coyote par le haut, et une fois que c'est bon, Fox par le bas. Moi, je reste à l'embranchement. Je reste à l'embranchement jusqu'à ce que Coyote te dise de pouvoir progresser vers le sud. Et nous, on reste dessus pour soutenir. C'est bon, c'est parti. Pas certain, mais je crois que j'ai grenadé le mec. Hein. Allez, on verra. 029-027 et on tient l'embranchement en 0 029-027 on tient l'embranchement. Bon, je vois rien. Eh ouais. Beaucoup de lampes. Ok. Vous prenez le côté gauche de la route derrière moi. Donc du coup, je me mets en 1, DS tu te mets en 2, Ivan 3, Captain Chris en 4. Bombe verte, il est avec une autre squad pour le moment. C'est bon, vous suivez derrière? Affirmatif. Je vais recharger. Attends. Si tu prends, vas-y, tu la prends en main, c'est mieux. T'as toujours mes chargeurs? Coyote, c'est qu'on arrive sur la fourche. On devrait y être bientôt là. Merci. Notre mission, c'est de partir au-dessus. Ok, on a la fourche, les gars, c'est à droite. Allez.
Donc nous, notre autrefois, mon loadout, il a merdé. Ok, messieurs, on est à l'embranchement. Notre rôle, c'est de tenir cet embranchement. Allez, j'essaie de me trouver. Tiens, là, il y a un muret. Voilà, moi, je me mets, tu te mets ici. Sur la droite, sur la droite, sur le braque, à fond à droite, à fond à droite. Il va essayer de tenir les parois. Qui ressort à mon niveau là, qui vient juste ici. Ouais, c'est bon, Victor 4, je suis collé à lui. Ah, on va pas rentrer, Victor 4. Serge, embarquement dans les Victor. Donc là j'ai Berger, c'est ça, dans Victor 4. C'est Berger, Berger. Ok, et vous discutez Berger sur quel canal depuis tout à l'heure là. Il y a on s'est fait surveiller sur Cordagal, là. Il y a 42 nous a surveillé, un civil avec des jumelles, donc on position connue. Parlez. Ah, mais j'étais ouais, pas sûr. Je t'aime, ODS. Ouais, Victor 4, c'est... Enfin, Berger, c'est 40, hein, de toute façon. Ouais, c'est 40. Ouais, je suis d'accord. Dès que si ça part en couille, Irak, on se met. C'est là-bas, c'est sur le côté gauche, je les vois. Ouais, visuel. Sur le bâtiment gauche, on va s'arrêter dès qu'on peut là. Au niveau du bâtiment, avancez, Victor, avancez. On peut crever là si on y va. Carcasse, halt. Vous débarquez, Victor 1, Victor 2, on débarque. Non, il a dit qu'on s'arrêtait pas, il a dit qu'on s'arrêtait pas. On va coller jusqu'à Victor 3. Il a pas dit Victor 4. Débarquement de tous les Victor, attention. Victor 1, véhicule en feu. Allez, Victor 4, sortez, je m'arrête là. Un ami les gars, vous pouvez passer devant, si vous voulez. J'attends que vous passiez, je démarre. Je recolle sur vous. Ouais, bien reçu DS. On est le premier. Exactement, bien reçu. De Berger, est-ce que tu veux qu'on aille sur le Oh putain. Je répète, Coyote, en avant, vous allez traverser là, faut avancer. Coyote, en avant. Coyote, on y va. Coyote, Berger, vous avancez derrière Coyote à 30 mètres de distance. Berger. Fox, vous sécurisez de l'autre côté de la rive. Oh putain, ça chahute. Vous me confirmez que Berger va de l'autre côté de la rive, on est d'accord? Berger suit Coyote à 30 mètres de distance. Ok, on suit Coyote derrière. Alors, vas-y, je ferme la marche, les gars. Reste sur la position actuelle pour couvrir au maximum. Ok, c'est parti. Et Coyote avance. Ça tire en bas, là. Comment ça tire? Fallride.
Spliven. Transmettez. Ah bah oui, je suis à l'écoute. On est tout devant berger, on est équipe berger tout devant. Fais gaffe en décalant. Médic indisponible, gros problème de mal de crâne. Repliez si nécessaire, vous avez berger qui peut vous appuyer. Berger va essayer de traiter là, le passage qu'il y a là en passant par la rivière. C'est reçu, berger. Progressez au maximum. Coyote, vous assumez un feu. Hein. Tirez si sur ce qui bouge. Ok, berger va partir là. C'est reçu, berger. Coyote, vous rejoignez berger rapidement. Fox, vous êtes où? Fox. On est là, on est là. Okay, berger a perdu Inno, berger a perdu Inno, tir fratricide. Ok, on confirme un véhicule explosif dans le couple, dans le... Ah merde, dans le virage. Confirmé? Véhicule... Je confirme pas, pour l'instant j'ai juste entendu, pour l'instant c'est compliqué, on est dans l'eau. Ok, Fox. Ouais, j'ai on ne sert plus rien. Voilà. On va avancer à pied pour l'instant. Là, on ne sert plus rien. Ok, tout le monde. Captain Chris. Yes. Okay. Allez, on prend la colonne de tout à l'heure. Berger se trouve sur la maison rouge, sur la rive gauche. Maison rouge, rive gauche. C'est clair? Ne tirez pas dessus. Ok, DS position 2. Je suis derrière toi, Capnet. Coyote, bien compris, on vous a vu. On évite de vous tirer dessus. Berger, prenez pas trop d'avance, hein, parce qu'on essaie de rester coupé. Avance, si vous arrivez à tenir un point avance, fixe, vous avance, tenez le point fixe, on essaie avance. De vous rejoindre. Qu'on puisse se mettre à couvert. Tu prends sur la droite. La caisse est prise, mais on va essayer, il y a encore un barrage sur la route sur laquelle on... Autorisation d'utiliser les grenades. Alors, autorisation d'utiliser les grenades, sauf en destination des bâtiments. On ne sait pas si la présence de civils. Ok, grenade par-dessus la roche. Dans les maisons. Il y a le véhicule. Ah ouais, mais attends, il y a les maisons derrière. Ok, j'ai pas de contact dans la rue, les gars. On attend Fox, ça prend pas de risque, hein. C'est, on laisse Berger essayer de récupérer le point. Une fois qu'il a récupéré, on va aller sous. Attends, Capitaine Chris. Faites attention, Berger, bâtiment rouge, Berger, attention bâtiment rouge. Attention au-dessus de nous, là. Ok, Berger a un bon visuel sur le virage là qui nous bloquait. Pour l'instant, on prend des tirs. Bon, Capitaine, tu vois quelque chose? On va jamais arriver. Ok, berger, pour l'instant aucun visuel sur un ennemi, sauf peut-être dans les montagnes au sud. Vous confirmez pas de passe de visibilité sur montagne sud, c'est ça? Non, on confirme, mais on a eu un tir sur notre position qui venait du sud dans les montagnes, mais on n'a pas possibilité de le voir. Possibilité de contact ennemi sur montagne sud. Ouais, DS, je suis en haut là. Affirmatif, non, c'était pas clair. Tu vois du monde? Négatif, non, je vois juste les tirs passer au-dessus au niveau des rochers. J'ai les deux qui sont à côté de moi. Le bâtiment belge. Bâtiment belge. Attention, il y a peut-être piégé, faites gaffe au passage. Ok, allez, on redescend. Ok. Oula. Coyote, vous restez sur position pour l'instant. Bâtiment belge. C'est bien pris, on reste en place. Allez, en avant. Ben, tu me. Ragboy, ici Apollo, je recolle sur vous. On rentre dans le bâtiment beige. Qu'est-ce qu'il y a carnage là? Allez, par derrière, actuellement, où tu veux. Ouais, attends, je vais faire. Ouais, ok, DS en 4ème position. Version Afghan. Version Afghan, exactement. Ça coûte 3 dinars, bleu. Bien joué. Ouais, bleu. Ouais, bleu. Terka. Je confirme la présence d'un hostile sur Terka, au sud de Terka, à peu près à 100 mètres ou 200 mètres au sud de Terka. Ça vient d'en haut, non? Ouais. Eh bien, je confirme qu'il est en train d'être traité. C'est bugué, il est mort ou il est pas mort? Il est mort, il m'a fait peur, il est mort.
le mec. Ah mais attends, il est pas là. Ah je l'ai, je si, l'ai, ça je y l'ai, je l'ai. Vois. Attends, on va se mettre derrière le truc. Bon, c'est bon, il est mort. À gauche, en position allongée sur le toit, j'ai vu sur toute la route qui donne au sud-ouest. Oh, sud-ouest, sud-ouest. Ok, nickel. Berger confirme avoir traité l'hostile qui était sur la montagne. Il n'y a plus qu'à dégager l'UAZ et je pense que le convoi peut repartir. C'est reçu Berger de Bulldog. On va dégager l'UAZ, ça va être l'équipe Coyote qui va s'en charger. Regarde Apollo, moi j'en ai traité okay. un sous les okay. Okay, sous c'est les maisons qui dégage face. UAZ et ils vont avancer les oh la vache ouais. Pas un truc là. Bon, on est un peu à découvert. Ouais. Restez. Et ya! Et là je me rate. Tu veux tes chargeurs? Ouais, j'en veux bien un s'il te plaît. Un ou deux, ouais. De toute façon, tu peux me donner ceux de. Ce dino là, il en aura plus besoin, putain. Ah, je l'ai descendu, putain, je suis dégoûté. Ah, mais c'est toi qui l'as descendu! Bah oui, je dis, je vais faire un tir de couverture devant ma fumigène, j'arrive pas à prendre la dernière. Et passer derrière de moi, toute façon, passer il est derrière vide, moi. Le prends pas. Ah, merde. Donne des chargeurs vides, j'ai nul d'enfer moi. Ouais, non, mais c'est bon. Oui, je suis là, je suis en bas. Et donc je lui dis, passez derrière moi. Et en fait, entre moi et la fumigène, il n'y a pas de quoi passer. Mais il passe devant moi quand je tire, il se prend une tête. Je le vois son corps qui tombe. Je dis, mais c'est pas vrai, mais non. Écoutez, en plus j'ai full ride, alors il m'a fait une Yamakasi ratée. Il a sauté de rocher en rocher, puis d'un seul coup je suis entendu. Ah et il est mort. Il est mort. Et on a cherché son cadavre, et en fait il y a tellement de courant dans la rivière qu'on n'a pas retrouvé. Ouais. Bah. Y'en a qui savent vivre hein, là-bas. Ah oui, non mais là. Tiens, moi je pense qu'on sera mieux ici. La Médina quoi, la Médina afghane. Passé dans le virage là juste avant. A et 2 ils sont tombés, en fait ils ont shooté le mec mais c'était un kamikaze, ils ont tapé le gilet, ça a explosé. Ah. Berger pour Bulldog confirme que la route jusqu'à Ali Haddad n'est pas occupée par des méchants. On recherche s'il y a des IED sur cette route là mais on peut pas avoir la confirmation totale. C'est reçu, on va prendre les véhicules, on va vous rejoindre, vous restez sur position, on envoie un pilote le temps de vous rejoindre. Fox, vous rembarquez dans votre véhicule. On a une autre base au-dessus, c'était le virage à transfert. Bon allez Fox. Je répète, Fox vous embarquez, Coyote vous embarquez. Fox, Berger, tout Fox, vous restez sur on position. Embarque sur notre véhicule. Il est où notre véhicule d'ailleurs? Il est... Je reprends. Fox, vous embarquez, Coyote, vous embarquez, Berger, vous restez sur position. Oui, Berger. Contact de radio quand on est à votre niveau. Le personnage de Drag Boy était complètement mais attendez, c'est pris. Vous êtes qui là? C'est pas mon équipe ça? Bah oui, moi je suis là, Fox. Normalement, on prenait le troisième véhicule. On est sur le troisième véhicule? Bah, on est sur le dernier. C'est bon, vous êtes à notre ouais, niveau. Dernier, ouais. Voilà, Fox, mais ah, qu'est-ce qui est derrière là? Halt, 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 halt. Ok, c'est Fox à bord du Victor 2, c'est ça? Ouais, c'est ça. Portonné avec Victor 3. Berger va prendre Victor 2. Berger, vous venez embarquer dans Victor 2, dans le premier camion. Ah bah voilà. Bourriac, t'es en train de parler en bateau. Ah voilà, on avait un berger avec nous. Je répète, berger pour Bulldog. Ouais, c'est bien pris, c'est bien pris, t'inquiète, on monte dans le deuxième camion pour berger. C'est bon, je suis là, Rack. Ok, Victor 2, on suit. Victor 3. Vas-y, Victor. Ouais, c'est normal, c'est parce qu'on voit. Oh la vache! D'accord. Pour Victor 1, à tous les autres Victor, le
virage est très serré, faites attention. Attention Victor 3, vous arrêtez, on... d'abord Victor 2 passe, virage très serré. Allez. Victor 1, vous mettez à l'arrêt, hein, nous attendez. Victor 1, on est à l'arrêt en haut du deuxième virage. Vas-y, braque à gauche, ça passe. Ça passe, vas-y. Non. Ok, c'est pas du tout. Bon, on a raccroché. On est derrière. On est là, on est là. Victor 1, reprise. Descendez. J'ai arrêté le camion. Attends, reste au volant. Les autres, vous descendez. Ah non, je remonte. Ok. Voilà, tu t'arrêtes là, c'est bon. Tu descends. Ouais, c'est pris. Medic de Victor 3. Bulldog. Oui. J'ai besoin du medic à l'avant. On a besoin du medic à l'avant du convoi. Il est envoyé. Coyote, j'ai besoin d'un point sur la situation. Je sais pas sur quoi vous tirez. S'ils sont nombreux, qu'est-ce qui se passe? Comment je le drop déjà? Coyote. Ne bouge pas. Berger voit un checkpoint, mitrailleuse traitée, mais derrière il y aura de nombreux packs cachés dans les pommiers. Fox, vous montez sur le flanc gauche de la route, sur les collines pour avoir un point de vue. Ouais, c'est cool. Ok, reçu. Ouais. Fox, on attend Fox là, on est 4, ouais. Ok. Vous prenez la colonne, on monte sur la colline là, qui est face à moi, au cap 170, on monte, on va regarder ce qui se passe. Ouais, c'est pris, squad lead, on y va. Bulldog de Fox en mouvement. On continue, on monte. Ouais, checker le minaret là, par là-bas, on sait jamais. Oui, on monte sur la colline à gauche. Reçu. Coyote de leader. Coyote à l'écoute. Ouais, j'aimerais bien avoir des informations là, je vous appelle tout à l'heure et vous répondez pas. Qu'est-ce qui se passe sur l'avant? Ok, j'ai un... Coyote, on a eu un blessé, je l'ai ramené à l'arrière, c'est pour ça que j'ai pas répondu. Concernant les contacts, ça semble bloqué, on a eu une énorme explosion également sur checkpoint. Négatif, on a encore un contact sur site. C'était bien reçu Coyote. Fox, écho, Bulldog. J'ai un écho là en contrebas. Répétez transmission. Bien reçu pour Coyote. Bien reçu pour Coyote. Fox DS en progression. Ouais, parlez pour Fox. Ouais, je garde le médic avec moi. On a trop besoin de lui au sol là, à ce moment-là. Oui, bien pris. DS en position. DS, je suis devant là. Je suis au niveau des rochers là. Je prends un visuel en contrebas. Très bien. Berger confirme qu'il était au niveau du checkpoint. Berger au niveau du checkpoint. Contact infanterie. Ouais, pas mal de monde. Attention les gars, Berger est au niveau du checkpoint. Hein. Berger est au niveau du checkpoint. Vérifiez vos tirs avant de tirer. Hein. Ok, MG traité. Bulldog de Fox, on a un autre point de défense de 150 mètres plus haut qui a été traité. Deux contacts traités sur position, une Kalachnikov flanc gauche, une MG flanc droit. Là, la casemate en face, elle est plein ouest pour information. Casemate en face est plein ouest. Hein, pour ceux qui ont besoin des azimuts. Ouais. Ah, là-haut, tu veux dire ? Il y a celle en contrebas et après il y a celle en haut qui est. Ouais. Bulldog de Fox. Infanterie. Bulldog de Fox. Ouais. Transmet Fox. Ça tire squad lead au niveau de la casemate. Plein ouest, on a une casemate armée en cours de traitement. Ok. Un deuxième pack c'est demi traité en descente. Ça a l'air de se calmer.
DS, je recharge. Un chargeur de vide. Fox, leader. 5. Parlez pour Fox. Ouais, je vous entends silencieux, c'est bon, c'est traité. Oui, on était en train de regarder s'il restait du mouvement, pas de mouvement, progression peut se faire. C'est reçu, Fox, vous restez sur position quelques minutes. Reçu, on recollera si besoin avec le camion en troisième position. Négatif, négatif, on a perdu Victor 2, on a perdu Victor 2, véhicule endommagé, des balles dans le radiateur. Bien reçu, Victor 3 était en retrait et normalement il n'y a pas de souci. Il peut être pris, on continuera à appuyer. Les leaders confirment que vous avez visuel et que vous traitez. Visuel, on est en cours de traitement. Coyote de la leader. Coyote à l'écoute. De l'autre côté c'est pont, c'est clair, on pourra progresser. En haut de la falaise, en haut de la montée, je confirme qu'il s'agit du village de Ali Abad sur carte. Pas de contact sur l'entrée de la ville, par contre plusieurs contacts dans les falaises autour. Oh putain, en face. Par les collines autour. Notamment ça, sud. À quel endroit? En 280. Fox, Fox, le leader. Parlez pour Fox. Est-ce que vous avez subi des tirs alliés? Négatif. Attention, c'est un allié. Ok, on a du contact ennemi entre vous et nous. Faites attention. Contact entre vous et nous. C'est ok, signe, reçu. Ouais. Oui, j'ai cru voir un mec en noir. Je reprends Coyote de Bulldog. Coyote à l'écoute. Est-ce que vous pensez qu'on peut traverser rapidement sans avoir à neutraliser Ali Abad? Affirmative, je pense que c'est tout à fait faisable. Donc, reçu, vous restez sur position, on s'organise et vous serez les derniers à partir. C'est pris, Coyote? Là-haut, c'est Ristretto. Coyote dernier à partir, c'est bien pris. Ristretto. Fox, dès que vous pouvez, vous descendez sur nos positions. Ah, on est vachement plus loin que ce que je pensais, alors autant okay, pour moi. Ok, bien reçu, ouais. On commence notre descente. Donc Ali Abad, c'est ce qui est allez, juste en contrebas. Allez, Fox, on redescend vers les véhicules. D'accord. Hop, mouvement. Ristretto. On y va, on y va, on y va. C'est bon, numéro 4. Tu viens, on bouge, on bouge, je vous affirmatif, TS, je encore, je suis derrière. Ça marche. C'est bon, ça suffit. Véhicule signalé sur route, véhicule blindé indiqué. En approche, attention, on a véhicule en approche, en approche. Prenez position, véhicule en approche. Attention, peut-être blade, peut-être véhicule explosif. En véhicule en approche. À quel azimut, derrière nous? Non, c'est BTR, BTR, AT, en position. Oh putain, BTR. Restez planqué, restez planqué. Quand tu le veux. Il est vers le checkpoint là-bas. Mais ils ont des BTR les talibans, mais c'est quoi ce pays? Attention, j'avance. Ouais, je confirme, problème avec le BTR. Le BTR fait des allers-retours tout seul, droite-gauche, enfin en face, derrière. Et il prend pas ses roquettes ou il prend pas ses dégâts, j'ai l'impression. Je suis en mouvement, hein, squad lead. Je peux avancer. Attention à vous. En tout cas, tir effectué à la roquette sur l'arrière du véhicule, mais aucun impact visible. Faites attention dans le checkpoint pour avancer, hein, c'est serré. Finalement je me suis transformé en mule, full ride, hein, j'ai des chargeurs aussi. Ok, c'est bon. Tout droit, vas-y, passe, hein. Tourne un peu sur la droite, droite, vas-y. Ça ne braque pas, Yon. Il peut aller à droite là pourtant. Ça passe. Vas-y, tout droit. Ah, vas-y, c'est... Okay. Attention hein, que ça explose pas une nouvelle fois. C'est BTR qui a pété? Ouais, c'est BTR. Alors oui, il était vide en fait le BTR. Ouais, ça arrive. Ouais. Et par contre, on a plus de roquettes, c'est fini maintenant, c'est ça? Ouais, c'est ça, y a plus de roquettes du tout. Bon, si un homme trouve un RPG, qu'il l'embarque hein, quand même, on sait jamais. Hein. Ouais. Bon, allez. Arriver peut-être au point 20. Victor 1, vous prendrez bien première à gauche. Hein. Oh putain! Ouais, à
Je suis à l'arrêt, descendez. Débarquez. Fox, vous débarquez. Passez devant le camion, je vais reculer. Tout le monde passe devant le camion, s'il vous plaît. Quand c'est clair derrière, dites-moi, je recule. C'est clean, tu peux. Je viens de te faire un call radio, Yak. Je viens de te dire à l'instant ce qui vient de se passer. J'ai pas entendu, alors du coup, répète. Avons traité deux lance-roquettes sur route, dont un à Kamikaze. Sommes en attente d'instructions pour la suite. Est-ce que c'est sécurisé? Affirmatif, les deux contacts sont à terre. Reprise des véhicules. D'abord, c'est bon? Tout le monde est là? Ok, c'est parti. Ouais, allez. Ouais, c'est bon, tu peux y aller. Regarde là. Victor 1 pour Bulldog, avons repéré un panneau suspect sur route de droite au niveau peut-être du deuxième virage. Panneau virage, on a repéré, on est actuellement sur virage 10 sur carrefour 18. Ah, avons repéré un panneau suspect sur carrefour 17. Ah, bah ouais, c'est ça, on commence à nous tirer dessus. Ok, derrière, on débarque. Oh putain, derrière. Victor 1, on débarque. À notre gauche. Sur l'os derrière Victor, vous surveillez l'avant, j'arrive avec vous. Contact 30. Carte tactique 3. Contact 160-150. Ah mais non, prends à gauche. Attends, là, prends à 150. Ouais, on dirige sur 19, du coup c'est gauche droite. Non, le switch est explosé. Explosé, nous. Je vais rester là, on fait passer le camion d'abord, mettez le MV un peu sur la droite. Si je t'explose. Je vais décaler directement. On va pas chercher dans le sol. Allez, on embarque. Allez, ok. Tant pis, c'est les morts. Tant pis. On va recevoir sur la 40. Donc oui, c'est bon, tout le monde embarqué. Pilote, tu contournes le MV. Je suis dans le camion. Vous tu contournes le MV, tu suis la route, on prend à gauche. Hein. Mec, hein. Fais la boucle à gauche. Ah, c'est bon. Avance, on fait la boucle à gauche. Je suis dans le camion. Ok, bien joué. On laisse pas le MV. Tu te mets là et tu laisses de la place sur ton flanc gauche pour que le MV puisse passer. On va aller vers 19. 19, on prend à droite. Ça passe, vas-y. Continue comme ça passe, vas-y. En tout cas, c'est beaucoup plus animé que ce que je pensais. Ah, bah. Pour le coup, on est attendu. Hein. Attention. Hein. Okay. Et là, c'est à gauche. On prend à droite. Non, c'est bon, à droite. Ah oui. On va sur le point 1, tout à fait. On va sur le point 1, tout à fait. Allez, point 1 maintenant. Hop. Tout au bout de la route. Tout en haut de ma checklist. C'est les mecs les plus dangereux du monde, ça. Ah, on se fait tiquer. On les tire, ouais, grave. On roule, on accélère, on reste pas. Dépêchez-vous, accélérez. On se fait tiquer d'où, les gars? Derrière, devant? Bah, je sais pas. Je cherche. Je cherche aussi. Des trucs de sable, là. Ah, une heure, deux heures, trois heures, six heures, voilà. Non. Camion, hein, pas de vous. Contact a priori. Ça tire à la droite. Ah, débarquez, arrête-toi le camion. Débarquez. Je suis à l'arrêt, je peux descendre. Ok, on descend, allez, on descend. Allez, on descend, tout le monde descend. Hop. Non, pourquoi il me sort une grenade à chaud? À gauche.
Tout Fox, on prend le côté gauche de la route, côté gauche de la route, près du MV. Avec moi. Pour info, le MV, il est tanké. On sortira pas. J'ai essayé. Ok, Berger a repéré des contacts en azimut 160 pour nous, donc on va les traiter. Je vous dis ça, c'est. Je pense. Je vous redis ça tout de suite. Il est blessé là. Il est blessé là. Allez, laissez le médic avancer, Fox. Ivan, tu restes là. Les deux autres, vous venez avec moi. Allez, c'est pris. C'est qui devant moi là? Ici, c'est qui avec moi? Gorok. EDS. N'oubliez pas qu'il y a d'autres groupes qui sont en contact. Vous avancez long du ravin là. Vous avancez long droite. On a plus de visu dessus, méfiez-vous. Allez, je me mets en deux. Gorok, tu fermes. Vous progressez. Coyote, tu restes sur cette position. Mets-toi sur la lisière. Mets-toi dans les bois. Coyote, j'ai essayé de vous appeler à la radio. Pas de contact. Sur nous, dans notre. Contact à gauche. Ouais, de Coyote, c'est bien pris sur la 38, on ne bouge pas. Oui, Afi. Vous grimpez le long de la colline. Hop là. Au-dessus. Allez, on continue, on monte. Fox, on monte sur la colline. C'est qui avec moi là? Berger, on confirme qu'effectivement c'est pas tout à fait Mustapha House, c'est la petite maison juste à côté, à droite, à l'est de Mustapha House, où il y avait des personnels. Là où on est placé, on a un bon visuel, je dirais pas jusqu'à Korangal Kev, mais presque. En tout cas, on a un bon visuel sur cette zone là. Vous pouvez progresser. Quand tu parles du petit bâtiment, on est d'accord, c'est le bâtiment est de Mustapha House. Affirmatif. C'est reçu. Tu as un visuel sur Mustapha House? Vas-y, je colle sur toi, Gorok. Oui, mais il y a des arbres devant, donc c'est un visuel partiel. C'est ennemi ça en face ou bon, c'est tu restes en position pour l'instant. Fox est parti dans la direction. Non, aucun visuel sur... Ouais. Oh. Merde, on vous donne un azimut quand même. Ouais, en visuel. En 20. C'est bon, traité. Il y en a un deuxième, il y en a deux. Hein. Ah, ok. Putain, je recharge. J'ai pas de visuel, je suis en deuxième. Bien vu. Traité. Ok, deux packs traités. Attends, on se fait tirer là encore. C'est sûr. Je sais pas par qui, mais d'ailleurs. En tout cas, on est planqué dans les. Berger cherche d'où sont les départs de tir. Pour l'instant, pas de visuel. Là, c'est Dallas qu'on voit en face, non? Attends que je. C'est pris. Oui, attends, je fais un point carte. Ouais, si t'es sur Mustapha House, tu vas plein à l'ouest et tu jusqu'à ce que tu atteignes la petite piste. Non, c'est pas Dallas qu'on voit. Mustapha House, ok, c'est ça. Non, Mustapha, c'est en dessous là. Ouais. En dessous là. Mustapha House, ce sera en dessous. Donc là, c'est la maison blanche qu'on voit là. Maison beige. Berger et... de Bulldog. Attends. Berger à l'écoute. Parce que normalement. Ouais, vous progressez Mustapha en parallèle House de la piste sud. Jusqu'au vecteur. Enfin, jusqu'au. L'ordonnée 0. Jusqu'à l'ordonnée 003. Dans l'axe ouest de Mustapha's House. Et vous restez 100 mètres droite de la piste. Ensuite. Ok, j'ai compris ce qu'il voulait dire. Ouais, je vois où est-ce qu'on est. En fait, nous, on est en 18-05. Vous confirmez ou vous voulez répéter que je répète? 18-05. Ouais, je voulais que tu répètes. Soit tu me donnes un point descends, par rapport tu, à ton... Tu continues, tu longes la piste à 100 mètres de la piste. Allez. Jusqu'à ce que tu atteignes la ligne 003. Ouais, DS, tu vas direction du sud, là. Ok. Affirmatif, ouais. Alors, j'ai coupé... Tu prends direction ouais. Mustapha House. J'ai coupé les communications sur la radio, là, sur la 38, parce que ça, ouais, c'est ouais, sûr. Ouais, parce que c'est... Ah ouais, je... J'ai mal aux oreilles. C'est dur. Allez, on avance. Affirmatif. Tu restes si possible à couvert. Hein. Ok. Tu veux commencer à descendre? Allez. Ouais. Tu peux garder les couverts, non, justement? Allez. Moi, je prends à droite. Ouais, essaye de prendre le couvert. Parce que là, on a l'avantage de la hauteur et du camouflage. Il y a des packs sur la maison en housse. Ok. Laquelle? La jaune? La rouge. La rouge, ok. Bien pris. Fox confirme, on a visuel. Bien pris, on traite. Allez, le mec qui est sur la maison rouge, on traite. Il est mort. Ok, halt. Un personnel traité. Pas de mouvement autour de la maison. Maison jaune, c'est pareil, ça maison bouge. Maison verte, on en a. Traité 1 sur maison deuxième verte. Personnel traité.
ça a l'air d'être calme. On devrait peut-être avoir du monde qui reste là en surveillance, non? Pendant que nous on avance là-bas. Allez. Je garde un visuel sur la maison rouge. Ouais. Bulldog de Fox, aucun mouvement depuis traitement de deux Pax sur Mustapha House, maison rouge et puis la maison qui était un petit peu plus à l'est. On continue mouvement sur Mustapha House. Allez, on continue, on descend et on remonte en direction de la maison rouge. Maison rouge, ok, c'est pris. En tout cas, elle est jolie la carte. Hein. Ouais, j'avoue. Fox fait mouvement vers Mustapha House en direction de la maison rouge. Nous sommes en bas. Affirmatif, c'est Mustapha House. Ok, je garde un visuel sur la maison marron. Autour, pas de mouvement. Non, ça a l'air clair pour l'instant. À l'arrière de la maison marron. Allez, là. On progresse. Okay, je recolle sur vous. Ah, c'est là-haut. Regarde, c'est là-haut, à droite, là. Ok, j'en vois un là-bas. Traité. Hop là, on continue sur la maison rouge, les beiges, parlez pour Fox. Affirmatif, ouais, je recolle. Alors on est en train de traiter Mustapha House, il y a encore du personnel à l'intérieur. Okay. Je suis toujours dehors, attention, hein. Je suis au niveau de l'entrée des escaliers. Ok, personne en haut, je vais en descendre. Ok, ok, ok. Allez, on va reprendre en direction de l'ouest là maintenant. Ouais. Personne à vert ? Non, négatif, je surveille la maison jaune. C'est clair. Derrière, okay. C'est clair. Alors, on fait voir. Un petit point carte, je suis à l'abri, donc on est là. Allez, on reprend la colonne. Enfin, la colonne. La mini colonne. Le triangle. Fais gaffe, la maison beige là. Ouais, ouais. Alors, on la vérifie ou qu'on se fasse pas prendre un revers. J'ai pas vu de mouvement. Hein. Pas en négatif. Passe à l'arrière. Pas vu de mouvement. Ouais, allez, bon, on progresse, on progresse. Ok, il y a une porte ouverte juste devant moi là. Ah, bah c'est pas bon ça. Je propose de. Ouais. Ouais. De passer en premier, attention. Et vas-y. Je rentre. On aurait dû faire la maison verte avant. Ok, pour l'instant c'est clair. Dans notre dos. Ouais. Ok, non, il n'y a rien. Allez, je monte. Je monte. Ah, il y a du l'étage. Ouais, il y a un étage. Ok, étage clear. Ok. Ouais. Allez, bah on monte sur. Ah, il y a encore un étage. Encore un troisième étage, désolé. Oh, ça se termine jamais ces maisons. Ouais, c'est bon, c'est clair. C'est clair, clair. Allez, on descend. On va en direction de l'ouest rejoindre les camarades. C'est pris. Ouais, attends, tu vas pas dormir. Attention à la crête, hein. Passage de crête. Voilà, ouais. Vers les cailloux, c'est pas tout mal. Ouais. Allez, on essaie d'avoir un visuel où ils sont là. Ah! Oh putain, c'est pour nous ça! Ouais, c'est pour nous, ça vient pas de la maison verte par hasard? Non, je vois non. Pas de. J'ai pas de visuel non, sur maison verte. Balles. Ce sont des balles d'en bas hein, qui. Ouais, ça ricoche. Ça ricoche? Qui ricoche. 003. En direction. Tu vas en direction de l'ouest là-bas. Toujours en direction ouest. Ouais, c'est pris. Pardon, excuse-moi. On va plus, on va plus au sud-ouest que l'ouest. Ok, ouais, ça me va, ça me va. Attends, fais. Ah, tiens, contact en face, en face, en face. Deux contacts. Ouais, Fox, on vient de traiter deux contacts. Encore, il y en a encore un. Attention, je recharge. Ouais, pareil. Affirmatif, on vient de traiter deux Pax sur le flanc de colline qui descend contre la vallée commune.
Tiens, je les vois, contact ouais. Bleu à droite. Ouais, ok. Ouais, contact. Autorisation de tirer une grenade. Pas de... Attends, je les traite... lui, il est mort. Oh. Ah bah oui. Attention, un bleu est en face, en bas. Ah ok. Côté gauche, ça a tiré, c'était une grenade ça par contre. C'est toi, Squadly ? Ouais. Bleu en visuel, oh, bleu en visuel. Ok. En mouvement vers nous. Où ça ? Ils sont passés brièvement en contrebas. C'est eux okay. qui tirent. Ouais, faites gaffe. Hein. Bulldog de Fox. Bulldog de Fox, on est sur la colline côté est en direction de la Fumiden. On est à 100 mètres. Nous sommes 100 mètres au-dessus sur la colline à l'est, nous sommes en descente vers le fumigène. On les a en visuel, Squad Lead, de l'autre côté de la colline, côté clair, en plein ouest. On a des contacts merci. Plein ouest sur la colline en face. Non, c'est les alliés, c'est les alliés. C'est eux qu'on voit de l'autre côté de la colline, là, en face de nous. Ouais, au-dessus, apparemment, il y a du monde. Hein. Au-dessus d'eux ? Ok. Allez, on descend. Ouais. Ok, il faut que ça arrive à l'endroit où il y avait des fumigènes. Qui nous tire pas dessus, hein, ouais. Bleu, 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 il y a du bleu là ou pas? Dans ta direction, non, bleu, c'est derrière. Ouais, sont... parlez pour Fox. Parlez pour Fox. On les a en visuel là-dessus. T'es pas sur 41 là, là. Berger de leader. Alvin et le Chipmunk là derrière. Au-dessus, on approche de votre position, attention. En avant, on suit la piste. On va vers l'objectif. Ok, pour Fox, on prend le même sens de colonne. Juste Ivan et Benzo derrière. En avance assez rapidement, on va rejoindre. Comment on appelle ça, Berger. Qu'on peut faire, toi, vise les Coyote, DS, en avance, on va rejoindre Berger, on suit. Okay. Affirmatif. On avance pour rejoindre le groupe, on est plus assez nombreux. Okay, côté gauche du chemin là, dans le petit trou. Je couvre l'avant, moi je couvre la gauche là-bas parce que. C'est bon, je suis là. Yvan, t'es où ? Bon, côté gauche. Grog, tu passes en deux. Devant moi. Bien pris. Ouais, n'hésite pas à te servir des rochers et tout pour prendre un peu de combo. Grog, sur l'arrière. Okay, je suis en 3, derrière moi normalement c'est Ivan et dernier c'est Benzo, c'est ça non ? Qu'est-ce qui était derrière ? Non, c'est Chris. Ah, c'est Captain Chris, pardon. Captain, tu fermes. Oula, merde, je suis perdu. Avance, avance, avance. C'est derrière nous, c'est derrière nous. Pour information, il y a. Au nord, au nord, au nord, ligne de crête. Au nord ? Ouais. Affirmatif, nombreux contacts. Ligne de crête au nord. On avance, on essaie de rejoindre les divergents, très très après. Ok. Allez, on avance, on avance. Je suis pas sûr que ce soit Coyote, c'est pas Fox que tu vois. Attends, c'est qui là? C'est Fox? C'est Coyote. Non, c'est Fox, c'est Fox derrière. Ouais, parce que moi je le vois pas donc. Ok, c'est pas Berger alors autant pour moi. Non. Ok, on continue objectif. À gauche là, redescendez Fox, on redescend côté gauche du chemin. Ouais. Il y en a une grotte au fond. Allez, on est grosse. Et juste allez, en face, on passe devant. Dans nos 12 heures. Coyote, Berger, vous nous rejoignez? Ok, on est sur toi. Vas-y, on rejoint le groupe, j'aime, on rejoint le groupe. Reprise. Halt, Berge, halt, Fox, pardon. Allez, halt. Ouais, donc là en ouest, on a un visuel, ouais. Alors on va essayer d'y aller, mais de manière prudente, on sait jamais. Berger ? Entrée de la grotte face à un bunker non occupé, toutes les équipes sont derrière nous. C'est reçu. Bébé, puisque vous êtes devant, c'est vous qui allez entrer, Berger. Contact dans les 3 heures. Attention ! Donnez des azimuts. 3 heures. Sur les hauteurs, a priori. On
RG, vous y allez, hein. C'est traité les deux menaces là-haut, là. Aucun visuel. Ouais, ils sont derrière l'arbre. Non, ils sont partis derrière les arbres. Tout Fox, vous prenez votre boussole, vous regardez un petit coup d'œil dessus pour avoir un petit repère azimut global. Tu vois quelque chose aux jumelles? Affirmatif. Je sais pas s'ils sont morts ou s'ils sont... ils ont des positions bizarres, mais ça bouge plus. Ok. C'est... ouais, 300 azimut 300. Il faut quelqu'un pour surveiller le haut de la colline sur notre flanc. Hein. Alors, berger le colis. Ok. Ivan. Préparez la sortie de berger. Hein. Ivan, de leader, dès que le colis est sorti, tu vas l'examiner. Captain Chris, tu fais binôme avec Ivan et tu le colles au cul des deux là pour les couvrir. Est-ce qu'il a l'air blessé ou pas? Il peut sortir encore. Combien d'hommes encore avec toi, Fox? J'ai les 5, madame. Contact en haut de la colline sur le 15h. Traité. Je te propose d'envoyer Ivan et Captain Chris avec Ragboy pour qu'ils prennent le colis en place. Attends. Contact 3h, plusieurs contacts, je répète, 3h, plusieurs contacts en ligne de crête tout en haut. 3 contacts minimum. Non, vous attendez, on a encore des contacts sur crête, ils descendent sur nous. Restez sur position. Je répète, 3 contacts en descente sur ligne de crête à nos 3h. Azimut 280. Ok, bien pris, merci. En visuel. Je regarde, c'est sécurisé. Oh putain, c'est des alliés ça, non? Il ne savait pas sur les alliés, hein. Non, c'est des alliés, mais il y a un belge. Ok, halte au feu. C'est le seul feu, halte au feu, 3 contacts à terre. Ça roule. S'il commence à s'habiller en belge, on sait. Contact à 3h. Oh les salauds. Oh la vache. Il a pris cher. Bon. Ouais. Avec moi, on va voir le randonneur. Ok. Et Chris, il vient avec moi ou pas? Non, Chris, il peut rester là pour l'instant. C'est juste pour ce qu'il est. On a perdu des hommes pour sauver un mec qui veut plus venir. Bah bravo. Bon, 3h c'est bien. Et de l'autre côté, ça va, ça bouge pas. J'ai cru voir bouger au même endroit, mais plus haut sur la crête, derrière les arbres. Ouais, ok, toujours à 3h alors. Direction. Ouais. C'est un randonneur qui a des chargeurs. Putain, c'est un leurre. Ah, c'est énorme, mais attends, tu déconnes. Va savoir. C'est un randonneur qui a des chargeurs. Il a peut-être été tranquille contre des chargeurs de. Il a des chargeurs de Kalachnikov dans son sac à dos. Un hostile qui va arriver à 3h. On le voit là. Visuel. Économisez vos balles, les gars. Allez, à terre, il est à terre, halte au feu. Ouais. Ça arrive à nouveau, 3h toujours, 2 contacts en haute colline. Je répète, 2 contacts en haute colline. Visuel. Ça bouge plus. J'ai un peu triché, je me suis équipé d'une bonne lentille. Moi je suis partisan du moment qu'on a du matos, du bon matos faut l'utiliser. Ouais, et puis c'est pour ça que tout à l'heure à l'assaut je voulais pas trop vous suivre parce que je suis pas vraiment fait pour l'assaut. Et dans le réel, t'as pas forcément du super bon matos de malade. Il y a que les équipes spécialisées qui peuvent en bénéficier. Bah dans l'armée française, t'as des escouades qui sont un médic, un AT, un support. Enfin, il y a quand même à chaque fois un bon matos. 15h, toujours contact, 15h.
ça arrive. Ouais, il est pas seul, c'est passé côté droit. Hein. Là, ça roule côté droit. Ça roule, ça roule. Ouais, il est peut-être parti enrouler boulet dans la descente. Il est perdu de vue en tout cas. Rolling Stone, Rolling Stone. Ouais, c'est prêt. Et pour pas faire contact avec Coyote. J'arrive sur vous. Je suis derrière. DH, tu passes devant. Je suis le Grok, moi. Et puis Chris derrière moi. Allez. En avant. Allez, petite foulée. Putain, c'est beau, hein. Oh la vache, les effets de lumière. Ah, c'est vraiment photoréaliste. Là. Donc là, on est en train de se diriger nord-est, hein, pour information, s'il y a besoin d'annoncer. Ok, on a un poil à la droite, là, sur les véhicules, à la droite. C'est pas les nôtres, ça. Non. À droite, on a des véhicules, il y a qu'un. C'est quoi ça, le Fox. Des véhicules. Deux UAZ et un camion de transport ennemi. Ouais. Ok, j'ai bah, continué de couvrir sur la gauche là-bas. À la droite de notre progression, ils sont parqués. It's not how cars. Bon, la colonne. I cannot walk anymore, I'm too tired. J'arrive. Non, on avance, reprise. J'étais sur les camions. Ouais, c'est bon. Je m'étais mis à couvert dans les camions. C'est bien. C'est à nous ? Il y a quoi ? T'as vu quelque chose ? Non, négatif. Je suis pas le seul, ça me rassure. En même temps, c'est beau. T'as raison. C'est vrai. Ah, j'aime bien. C'est vraiment joli. Bon, on doit pas être loin du MV tanké là. Il est juste, je crois qu'il est dans le virage là. Il est juste là. C'est hein. Au bout du virage à gauche. Ouais. Je me disais, on pourra peut-être essayer de le pousser avec le camion, mais en fait non, parce qu'on va planter les deux. Tu vas tanker le camion. Ouais, c'est ça. Comptez-vous, je veux savoir combien vous êtes, Coyote. Moi je suis 1. Ouais. On est au véhicule. Fox, nous sommes 4 plus Ivan avec toi. Oh my god, why did you park the car like this? Voilà. Attention, je vais essayer de. Pousse-toi, je vais essayer de le bouger. Non, mais c'est mort, c'est pas la peine, le véhicule il est mort. On dégage, il est planté. C'est pas fini, regarde. Allez, on prend, allez, tous à bord du camion. Comment je règle ça? J'ai essayé tout à l'heure pendant 2-3 bonnes minutes. Qui conduit le camion. Allez. Quand je le garde, je le garde. This is our car. Non, moi je monterai pas dedans, j'attendrai qu'il ferait demi-tour déjà. This is our car. Oui, bah. Ouais. Allez Fox, je me fais demi-tour au camion. Conduit, là, restez pas derrière, monsieur. Non. Restez pas derrière le camion, les gars. Ouais, mais comment on monte? Bah, le conducteur. Vas-y, recule. Attention. En haut, sur la crête, une mitrailleuse. Oh, ouais, on se dessus. Ouais, bah on accélère, on baisse la tête, les gars, baissez la tête. C'est quoi la touche? Non, sur quoi? Faire mourir la tête haute. Ils sont là-haut, juste au-dessus de la droite. Ouais, on les voit. Ils sont sur notre droite là, ouais, tout à fait. Hein? On va arriver tout pile en face là. Ils sont est là, on va se faire. Ouais. Bah on s'arrête hein, si c'est dangereux, je vois rien moi. Ah bah oui, il faut s'arrêter là. Il faut allez, traiter on descend. Là. Ouais, allez, on descend. Ils sont en est. Allez, équipe Fox. On a derrière aussi.
faut que je me remette de la vie, je suis touché. Qui est berger? Moi, je suis berger, je suis touché, je me remets de la vie là. C'est qui moi? Ino, ok, tu te fais soigner par les dents et après tu prends le contrôle de berger. Tu pars sur 38 pour que tu puisses te contacter. J'ai plus de morphine, les deux mecs, mais tu sais bien, tu t'es demandé, t'es. Ok, je suis sur la 38. Tu vois clair, Ino? Ok, je vois clair, c'est bon pour moi, je retourne derrière. On a quelqu'un qui saigne ici. Je répète, on a quelqu'un qui saigne ici. Je le récupère avec moi, je l'amène vers le camion. Attends, vas-y, ramène. Est-ce qu'on a un médic dans le coin? Info sur la 40, qui est dispo sur la 40? Ivan, un blessé près du camion. Ok, Falarit, c'est moi qui m'occupe de la. Qui suis Je te vois là, au loin, essaye de revenir vers moi. Faut que je pose. Ouais, mais comment? Pose-le à terre. Il touche l'affiché normalement en bas à gauche. Je te couvre. En bas à gauche? Non, merde. Ouais, il est bugué. Ah bah, sur ta position, quand il sur ta position, il y a du contact, je te fais éliminer. Je suis en face de bord. Berger, vous surveillez les arrières. Fox, vous allez vers l'avant. Attention, sur le côté gauche, au-dessus des rochers, il y a du contact. Tu vois clair ou pas? Ouais, c'est pris pour Fox. Fox, on passe en avant, en direction de la route. C'est qui devant moi là? Avec le grenade launcher. Allez. Ah, c'est toi, ok, super. Ouais, c'est. Je vous colle. Ok. Ok, super, on est regroupé, Capmed. On a Gorok derrière. Ouais, parfait. Bon, faites attention après le virage, il va y avoir du monde. Hein. Sur la gauche, ouais, en hauteur. Allez, DS, passe devant moi. Affirmatif. Ensuite, vas-y, passe. Ah, parfait. Il y a le soleil là, ah je vois rien. J'ai récupéré mon binôme. Ah oui, joli. Ok, j'ai un visuel sur la colline, je vois personne pour l'instant, je vois les casemates. Je continue de progresser. J'ai parlé. J'ai cru c'était toi avec derrière. Ok, casemate en visuel. Allez, Fox, on est au niveau du virage, on continue la progression. Casemate en visuel, négatif pour l'instant, pas de contact. On a un casemate en visuel sans mouvement. Je continue la progression. On continue progression. Garde un œil sur les filets là, parce qu'ils sont peut-être derrière les camos. Là tu voles. Ah je me suis demandé aussi, quoi. Toi aussi tu voles. Ouais, il y a un petit bug de physique sur les rochers là. Ok, tracteur rouge sur la gauche là en contrebas, pas de contact a priori. J'ai un. Ouais, vous pouvez progresser 100 mètres, progresser 100 mètres. Direction de la casemate. Allez, vous montez tous les deux à la casemate. Ah, c'est pris. Attention, je vais jeter une grenade préventive. Vas-y, vas-y. Ok, ça a pété. Je passe sur ta droite. Hein. Ouais, c'est pris. Ok, la casemate elle est sur ma droite. Je continue de progresser. Attention qu'on se fasse pas de tir croisé. Hein. C'est clair, ils sont morts. C'est clair? Ah, bien joué. Bien joué, bien joué. Ok, ok, ok. Bon, bah c'est. Ça a l'air clear hein, la colline. La casemate est clear. À mon idée, tu l'as eu à ta droite. Vous regardez un petit peu en contrebas maintenant sur la route. Qu'est-ce qu'il a de beau lui dans ses petites fringues? Ah, une petite grenade, bah voilà. Il rend la monnaie de sa pièce. Exactement. Une donnée pour une rendue. Bon, on redescend. La fille. Je te laisse repasser devant. Putain, elle dure longtemps les fumilles, pas de la rigolade. Hein. Ouais. Ouais. Je l'ai jeté parce que à chaque fois on se retrouve avec des feux croisés, on sait pas d'où ça vient. Élément de Fox en avant, vous descendez sur la vallée, on va au petit tracteur rouge. Ouais, c'est pris.
c'est pris, on arrive. Ouais, les autres ils sont derrière nous. Ok, on est là. Attention, on monte. Allez, on monte. Hop. Faut que tu te décales. Ok, tout le monde est là. Non, ok, Fox à bord. Tu vois clair Marrant, hein. Cap. Ouais, ouais, je suis bon. La roue de toute façon, pour l'instant, c'est tout droit. Merci. Vous m'avez sauvé la vie. Blessure sérieuse, blessure j'ai sérieuse. J'ai plus de morphine, les gars, je suis en dur.